Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. J'espère que le tour va vous plaire. Et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Ah, au fait, les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et quant à nous, c'est parti pour la démo, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes que le spectateur peut mélanger si désiré. Et dans lequel on va lui demander de choisir 10 cartes. Alors peu importe, donc on coupe et on prend 10 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien entendu, normalement c'est le spectateur qui fait ça. Les cartes, on les prend, on les met dans une enveloppe, juste ici. Voilà, on le montre, hein, vraiment. Et on tend ça au spectateur, vraiment entre ses mains. Il garde ça de son côté. Hein. Et par la suite, on récupère le jeu de cartes et on va faire choisir au même spectateur ou à un second, peu importe, une carte. Alors celle de son choix, imaginons celle-ci. Peu importe, ici, bon, l'as de trèfle, la carte, on lui fait signer pour la rendre unique. Donc moi, je vais écrire tuto magie, hein, voilà, hop, hop, donc voilà. Au moins, la carte est vraiment unique, on la laisse un petit peu sécher, comme ceci. Et ce qu'on va faire, la carte, on la laisse, alors vraiment, je vous la montre une dernière fois, hein, ici, l'as de trèfle bien signé, hein, et on la laisse vraiment dans le milieu. Alors nettement, on l'enfonce tout doucement, on peut même mélanger si vous voulez les cartes sans problème, comme ceci. Et regardez bien, l'enveloppe juste ici, ce qu'on va faire, on fait juste une petite passe comme ceci. Et que vous le croyez ou pas, mais en vérité, la carte a voyagé. Alors vraiment, hein, on demande cette fois au spectateur de prendre l'enveloppe, de sortir les cartes, comme ceci, de les prendre en main et de les compter. Et des 10 cartes, regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 cartes. Il y a maintenant 11 cartes alors que la carte était perdue dans le milieu. Maintenant ici on a 11 cartes. Le spectateur fait lui-même le comptage des cartes et pourtant si on regarde, la carte comme je vous l'avais dit a bien voyagé. On se retrouve maintenant bien entre ce petit paquet de cartes. Une seule carte signée, celle du spectateur qui l'a choisie. Et là c'est un vrai petit miracle, le voyage a bien eu lieu sous vos yeux. Instantanément. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Comme d'hab, pour ceux qui voudraient apprendre le tour, le lien il est dans la description. Si vous avez des questions, n'oubliez pas les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour me soutenir. Également, l'école de magie www.magistreaming.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tour accompagné de tours expliqués ainsi que la plateforme de VOD, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et se voulant aller plus loin dans la magie, n'oubliez pas de souscrire pour me soutenir à Tuto Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif par des tours exclusifs, des vidéos. Des posts, emojis, bref, allez voir tout ça dans la description. Cette vidéo prend maintenant fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.